Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un look du jour. Donc, c'est un charbonneux bleu très très foncé. J'ai choisi la forme du halo. Je voulais vous la proposer sur ma chaîne parce que c'est une forme que j'utilise très très souvent quand je me maquille au quotidien, quand je vais faire un charbonneux. Cette forme donc arrondie et non pas étirée comme dans le précédent charbonneux que je vous avais proposé, le Libanais. J'aime beaucoup cette forme parce que sur des yeux qui ont une forme similaire à la mienne, ça va avoir donc tendance à arrondir le regard et donc à faire cet effet un petit peu œil de chat. Et j'aime beaucoup ça parce que bon bah voilà, tous les maquillages ont un petit peu tendance à être très très étirés sur mon visage et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de célébrités qui utilisent cette forme. Donc, vous avez Marion Cotillard. C'est la première qui me vient, les sœurs Olsen, enfin il y a pas mal de filles assez célèbres qui utilisent cette forme. Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si c'est le cas et je vous souhaite une très 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 bonne vidéo et à la prochaine. Au revoir. On va commencer par unifier notre paupière, c'est-à-dire en appliquant un voile de poudre sur toute la paupière mobile et fixe. Vous pouvez également utiliser une base, ça dépend de vos préférences. Ensuite, je vais appliquer un fard irisé de cette palette, donc c'est le beige, il me semble que c'est le deuxième fard en partant de la gauche, afin de faciliter l'estompage de mes fards bleus. J'utilise maintenant un crayon de colle noir, celui-ci est chez Catrice. Vous pouvez le chauffer légèrement à l'aide d'un briquet du moins d'une flamme pour le rendre plus tendre au niveau de votre paupière mobile. Je vais estomper cette base. Moi, je trouve que estomper le crayon est important pour que le fondu du maquillage, le rendu final, soit le plus doux possible et le plus harmonieux. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un pinceau boule et réappliquer progressivement du crayon colle jusqu'à ce que j'ai l'intensité désirée. Je commence à travailler ma forme, donc cette forme arrondie en suivant l'orbite de mon œil. Si vous avez une paupière monoïde, très peu de paupières mobiles, je vous conseille de dépasser un petit peu. Et je vais faire des mouvements circulaires comme ceci. Pour estomper facilement donc ce crayon colle. Donc je vais commencer à appliquer donc ce fard bleu, donc je vais utiliser déjà le plus clair pour travailler mon intensité, mais alors très légèrement. Vaut mieux commencer par ajouter très peu de couleurs et à l'intensifier plutôt que de mettre énormément de couleurs dès le départ, donc toujours dans l'optique que le fondu soit plus harmonieux possible. Je vais mettre le bleu un petit peu plus foncé sur ma paupière mobile et commencer d'estomper en utilisant ma poudre libre et en l'appliquant sous l'arcade sourcilière. Ceci va faciliter donc l'estompage de mon fard et faire un fondu tout en douceur et en légèreté.
Je vais réintensifier ma couleur en utilisant le plus foncé au plus proche de mon œil et continuer d'estomper progressivement par petites touches avec toujours mon pinceau boule. Toujours avec ma poudre libre, je continue de retravailler mon estompage afin que celui-ci soit toujours le plus harmonieux possible. Donc tout est question de rajouter de la matière, réestomper, rajouter encore de la matière, réestomper. J'ajoute maintenant mon eyeliner gel, donc celui-ci est clinique, à la base de mes cils, afin que le ras de cils soit le plus intense possible. Et je fais de même en ras de cils inférieur et en muqueuse. Je réapplique du bleu très très foncé, mélangé cette fois-ci avec un peu de noir, pour que vraiment l'intensité soit à son maximum. Et je continue d'estomper. Je vais venir poser une touche lumière en dessous de l'arcade sourcilière ainsi qu'en coin interne pour venir illuminer un petit peu ce maquillage. À ce moment-là, j'ai commencé le travail de mon teint et j'applique un petit peu d'anti-cerne ainsi qu'un petit peu de poudre libre. Beaucoup de poudre libre même, que je viendrai balayer ensuite, et je réintensifie ma muqueuse et je fais de même la même chose que j'ai fait de ma paupière supérieure. J'ajoute maintenant des faux cils. Vous pouvez vous contenter du mascara si vous avez des cils plus volumineux que les miens. Je travaille maintenant mes sourcils, donc je leur ai donné une forme un petit peu plus arrondie que d'habitude parce que le maquillage est en forme arrondie, donc accordez vos sourcils à la forme du maquillage que vous réalisez, ainsi le résultat est beaucoup plus harmonieux. Je vais venir camoufler mes faux cils avec ce même gel liner crème en n'hésitant pas de déborder un petit peu sur la frange de faux cils afin que le résultat soit le plus naturel et imperceptible possible. Et voilà le rendu final. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite pour la prochaine. Au revoir.